Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne InfoAssist d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, le tuto qu'on va découvrir ensemble, c'est comment avoir la PS4 sur son téléphone Android ou iPhone. Voilà. Donc, si tu as une PS4, cette nuit, je vais te montrer comment il est possible de pouvoir avoir la PS4 sur ton téléphone, c'est-à-dire si tu n'as pas envie d'allumer la télé, tu peux jouer tous les jeux qui sont sur ta console directement sur ton téléphone. Voilà. Donc déjà, si tu viens à peine de découvrir ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Donc pour réussir ce tuto, vous aurez besoin d'une application. L'application se nomme PS Remote. Voilà, comme vous pouvez bien le voir ici, PS Remote Play. Donc, comme on peut le constater, si vous venez sur Play Store, vous n'allez pas trouver l'application. Mais sur Apple Store, vous allez bien trouver l'application. Play Remote. Voilà, Play Remote, comme c'est marqué ici. PS Remote Play. Voilà. Donc, je vais vous montrer. PS. On va voir que PS Remote Play, voilà. On voit que on ne trouve pas l'application en question. Il y a PS Pad, c'est-à-dire pour avoir la manette de la PS sur son téléphone, PS Play pour avoir la manette, mais vous ne pourrez pas jouer. Voilà, vous ne pourrez pas jouer et c'est payant. Voilà, il n'y a pas l'application PS Remote Play dont je vous ai parlé. Donc, si vous avez un téléphone Android, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là que ça devient intéressant. Vous allez ouvrir votre navigateur. Voilà, une fois que vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez aller sur Google. Et dans la recherche, vous allez taper PS Remote Play. Et vous allez lancer la recherche. Et là, vous allez appuyer sur le premier lien que vous allez voir. Le premier lien que vous allez voir, vous allez appuyer dessus. Et vous allez appuyer sur dernière version pour télécharger. Voilà, pour télécharger l'application. Une fois l'application téléchargée, vous allez rentrer dans l'application. Voilà, vous allez rentrer dans l'application. Voilà, ça va charger un peu. Et lorsque vous allez rentrer, je vais mettre autre connexion vu que sera utilisé. Ok, voilà. Une fois que vous avez téléchargé, on va vous demander, vous voulez que votre PS4 ou PS5 s'affiche sur votre téléphone. Si vous avez une PS5, vous allez cocher PS5. Si vous avez une PS4, vous allez prendre PS4. Donc, dans notre cas, c'est une PS4. Voilà. Et là, on vous demande de saisir le numéro qui est associé à la PS4. Pour avoir le numéro qui est associé à la PS4, c'est tout simple. Vous allez venir sur votre PS4. Voilà. Vous allez venir dans paramètres de la PS4, paramètres. Et vous allez chercher gestion des données, application sauvegardée, paramètres de connexion lecture à distance. Comme vous pouvez le voir, paramètres de connexion de la lecture à distance. Vous allez appuyer dessus. Et vous allez faire ajouter un périphérique. Voilà. Et le code que vous voyez ici, c'est ce code-là que vous allez entrer dans l'application qui est marquée ici. Voilà, vous allez entrer le numéro que vous avez vu là. Vous allez rentrer ce numéro-là ici et vous allez faire associer, tout simplement. Et là, vous allez voir que votre PS4 va s'afficher directement sur votre téléphone. Vu que moi, j'ai déjà saisi le numéro, c'est là que donc je vais connecter. Vous allez voir comment ça se passe. Ok, voilà, c'est en train de faire la connexion à la PS4. Voilà, tout simplement. Et voilà la PS4 qui s'est affichée. Je fais avant. Je descends vers la salle à jeu. Voilà, je lance pas plus. Tout simplement. Je vais mettre en rotation. Thank you.
chanteur qui passe sous la place la télé. Voilà, voilà comment ça s'affiche sur la télé. Comme on peut le voir, voilà. Donc c'est vraiment très facile de pouvoir jouer votre PS4 sur votre télé. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est le cas et portez-vous bien. Merci, on reste ensemble. Ciao, ciao.